Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une night routine spéciale cocooning. On va pas travailler, on va pas cuisiner, on va pas faire de ménage, non, on va juste chiller ensemble. Donc c'est parti! Je venais tout juste de rentrer du travail, donc la première chose que je fais, c'est de ranger mes affaires. Là, comme vous pouvez le voir, j'étais en train de faire un peu de shopping en ligne en général. Je lis mes mails, je prends un petit peu de temps de me poser devant mon ordinateur et faire du shopping. Et là, je vous embarque avec moi dans ma petite séance de sport du soir. Et oui, parce qu'une soirée chill pour moi, c'est aussi faire du sport. Parce que ça me fait du bien, ça me vide la tête, ça me permet de me dépenser après une bonne journée. Et là, en l'occurrence, je vais tester mon tout nouveau joujou de Noël, qui est mon tout nouveau tapis de course. Là, je vais tester le programme pour brûler des calories. Et franchement, les sensations, elles étaient top. Après le sport, un bon petit bain s'impose. Ça, c'est mon moment préféré et je pense que ça va être le vôtre aussi. En plus, j'ai mis plein de mousse, j'adore vraiment ça. Et là, je regardais la série Les Chroniques de Bridgerton. C'est vraiment la série dont tout le monde parle en ce moment. C'était vraiment bien. Et puis, j'en profite aussi pour faire maison, me faire un petit masque. C'est vraiment en fait le moment où je prends soin de moi. Quand je décide de faire une night routine cocooning, je prends vraiment le temps de faire des choses que j'ai pas le temps de faire habituellement, comme épiler les sourcils, manger du chocolat. Bon, là, c'est pas bien, j'avais pas fait un vrai repas. Ne pas faire ça, j'avais grignoté dans la baignoire. Et je vais vous montrer aussi le produit que j'utilise pour blanchir mes dents. Là, c'était la poudre de charbon, bon, c'est pas beau à voir. Et ensuite, je me lave les dents normalement derrière. Puis je vous l'avais dit, une soirée chill jusqu'au bout. Là, je jouais à la PS5, à défaut de plus avoir la Switch, j'ai piqué la console de mon petit frère. Là, en l'occurrence, je joue à Fall Guys en ligne. Bon, vous aurez sûrement remarqué ce faux raccord, la lumière me trahit pas mal. Vous l'aurez sûrement compris, là c'est le moment où je vais me poser dans ma chambre. Je prends le temps d'allumer mes petites lumières vraiment pour une ambiance cocooning, je mets mon petit pyjama. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'accorder une soirée entière cocooning, c'est pour ça que vous aurez sûrement vu ce changement de lumière. Quand j'ai pris mon bain, il était un peu plus tôt. Dans l'après-midi, c'était une autre journée avec mon taf, mon mémoire à préparer et le taf aussi que je fournis sur les réseaux, c'est pas facile. Mais spécialement pour cette vidéo, je vous ai réuni en fait les meilleurs moments cocooning sur deux soirées différentes, mais en une vidéo. Au fait, je vous présente Pony et Teddy, ce sont les noms qui ont été choisis sur Instagram. Et ce que j'aime bien faire aussi quand j'ai le temps, c'est de préparer ma tenue en avance pour le lendemain matin. Donc j'aime bien rassembler les pièces, créer de nouveaux outfits, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais mettre une petite croix sur mon petit planner qui me permet en fait de savoir si j'ai respecté mon objectif sportif et alimentaire. Après le masque, l'épilation, il est logique que je termine par mes ongles. Je prends le temps ici de terminer mon bouquin de Michel Bussy qui est « J'ai dû rêver trop fort ». D'ailleurs, c'est une amie qui me l'a conseillé, qui regarde sûrement cette vidéo. Je suis sur le point de finir, promis. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment un truc que je prends pas le temps de faire souvent et pourtant j'adore ça, mais il faut vraiment en fait que je me mette dedans après une journée chargée. En général, je prends le téléphone ou je me mets devant une série Netflix et après je m'endors facilement. Bon, soyons honnêtes, soirée chill ou pas, ça se termine souvent comme ça. Et en plus, comme vous le savez peut-être déjà, en tant que micro-influenceuse, c'est aussi mon job d'être sur Instagram, de lire vos commentaires, de répondre à vos messages, de m'inspirer pour une prochaine vidéo YouTube ou pour un prochain post. Je prends le temps aussi de répondre à des petits messages. Et puis voilà, c'est vraiment la soirée chill dans son exemple. Même si je suis consciente que tout le monde n'a pas le temps de faire ça, moi-même j'ai dû condenser deux soirées en une pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Ensuite, je règle mon réveil en général pour 8h, travail ou pas, j'aime bien me lever tôt, je trouve que les journées sont plus productives comme ça. Et puis voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !